Louise Bourgoin confie la surprenante réaction de son fils aîné lorsqu'il a découvert l'affiche de la série Hippocrate, dans laquelle la comédienne incarne un docteur. Le mauvais costume. Pas toujours facile d'oublier l'acteur ou l'actrice derrière les traits du personnage qu'ils sont censés incarner. Et cela est d'autant plus vrai pour l'entourage des comédiens. Louise Bourgoin peut d'ailleurs en témoigner. Celle que le grand public a connue en tant que Miss Météo au Grand Journal, poursuit aujourd'hui une brillante carrière derrière sur grand écran. Elle est également l'un des piliers de la série Hippocrate diffusée sur Canal+ depuis 2018 et dont le tournage de la troisième saison a débuté au printemps. Elle y joue l'une des internes en médecine de l'hôpital Raymond Poincaré, confrontée aux dures réalités du travail des soignants. Il s'est mis à pleurer, la vive réaction du fils de Louise Bourgoin. Interrogée dans les colonnes de Madame Figaro, Louise Bourgoin affirme vouloir séparer au mieux sa vie de comédienne et celle de femme, il est nécessaire de compartimenter au maximum, y compris quand vous rentrez chez vous, l'idée n'est pas de ramener le personnage à la maison ou de se décharger des tensions avec vos proches. Je veux être pleinement disponible pour mes enfants, de 7 ans et 3 ans, qui n'ont pas encore bien compris mon métier, notamment parce qu'ils ne m'ont jamais vu dans un film, explique-t-elle. Mais pas si facile pour son fils Étienne de comprendre qu'il s'agit d'un personnage lorsqu'il aperçoit le visage de sa mère sur des affiches de cinéma. Ce qui donne parfois lieu à de drôles de situations, quand mon aîné avait 3 ans, nous sommes un jour tombés sur une affiche géante d'Hippocrate dans le métro. Il s'est mis à pleurer en disant, « Je ne voulais pas que tu sois déguisé en docteur mais en lapin. » Tout ça est très abstrait pour mes enfants, que je n'amène pas sur les tournages, a raconté la comédienne. Un véritable papa poule. Dans la suite de l'interview, Louise Bourgoin, pourtant très secrète sur sa vie privée, n'hésite pas à chanter les louanges de son chéri, le musicien Tepra. « Je suis parfaitement sereine quand je m'absente, car j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est très papa poule », a-t-elle confié. The man I love just has